Bonjour et bienvenue sur AgriTuto TV. C'est la télé-réalité agricole et c'est la saison 2. Dans cette saison 2, nous allons vous parler de la culture de la papaye. Dans la saison 1, pour ceux qui n'ont pas eu à la regarder, nous avons parlé de la culture des légumes ou alors de la morelle noire, vulgairement appelée zoom, zap et j'en passe. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu à regarder cette saison 1 là, je vous invite à aller dans la chaîne, à checker les vidéos, n'est-ce pas, pour regarder ce qu'on a eu à faire durant cette saison-là. C'est vrai, la saison-là n'est pas encore terminée, on n'a pas encore totalement publié, n'est-ce pas, les épisodes y afférents. Mais on commence déjà avec la saison 2, ok? Donc, les saisons vont se chevaucher comme ça. Plus tard, on pourra enclencher avec une saison 3, une saison 4, et ainsi de suite. Alors, pour le petit rappel, dans la saison 1, l'objectif était de montrer aux jeunes, les élèves, étudiants, et même les chômeurs, n'est-ce pas, comment est-ce qu'ils peuvent se faire un peu d'argent, et ceci rapidement. Ok, en un mois et demi, deux mois, vous avez déjà les retombées avec la culture des légumes. Ok, c'est pas un truc qui nécessite de gros moyens, c'est pas un truc qui prend du temps. Donc c'était un peu ça l'objectif, montrer aux jeunes étudiants, aux jeunes élèves surtout, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour devenir indépendants, pour ne plus être dans les pattes des parents à chaque fois. Maman, j'ai besoin de 100 francs, maman, j'ai besoin de 500 pour faire ci, papa, j'ai besoin de... Donc, dans cette saison 2, nous allons parler donc de la culture de la papaye. Et là, nous sommes déjà en train de préparer le terrain. Alors là, nous sommes sur un site d'environ 1000 mètres carrés. Okay? Donc, on peut dire un huitième d'hectare. Hein? On peut dire un huitième d'hectare. Alors, sur ce site, nous allons mettre deux variétés de papaye. La papaye solo et la papaye Kalina. Okay? Donc, ce sont ces deux variétés-là que nous allons expérimenter sur ce site. Et nous avons déjà eu à lancer la pépinière. Donc, les abonnés ou alors ceux qui voudront également expérimenter cette culture avec nous ensemble, vous pouvez déjà passer votre commande des plantes. Okay? Donc, si vous avez besoin, je ne sais pas, par exemple, de 100 plantes de papaye, vous nous écrivez juste au numéro qui s'affiche là, que voilà, j'aurais besoin de 100 plantes pour la campagne de mars 2024 qui arrive. Parce que la papaye, ce n'est pas un truc comme les avocatiers ou alors les manguiers qu'on peut faire la pépinière. Et là, ça reste là sur place un an, deux ans, non. La papaye, c'est quelque chose dont on réalise la pépinière uniquement sur commande. Donc, ceux qui voudront travailler avec nous durant cette télé-réalité agricole, de façon à ce que pendant qu'on montre les étapes ici, eux aussi, ils sont sur leur site en train d'expérimenter. OK, ils font exactement la même chose. Donc, cela, vous pouvez passer vos commandes, votre commande de plantes. Si vous voulez, vous pouvez également faire vous-même votre pépinière. Donc, ça va de soi. Chacun choisit l'option qui lui sied le mieux. Donc, et tous ceux qui vont précommander ou du moins passer leur commande de plantes maintenant, le plan reviendra à 500 francs. Ceux qui viendront plus tard, le plan ce sera 1000 francs. Donc voilà, je vous donne donc rendez-vous pour l'épisode 1. Là, c'était juste une petite introduction, n'est-ce pas, de cette nouvelle saison de la télé-réalité agricole. Donc, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 1. Et surtout, n'oubliez pas que cette deuxième saison de la télé-réalité agricole est toujours comme la première, sponsorisée par notre entreprise MAP. MAP est une entreprise qui fait dans la production et la distribution de la viande de poulet dans la localité ou du moins dans la ville de Yaoundé. Plus tard, elle compte s'étendre dans les villes de Douala, Bafoussam et bien d'autres. Donc, si jamais vous avez besoin de poulet bio, frais et surtout 100% halal pour une cérémonie ou alors pour la consommation familiale, n'hésitez pas à passer votre commande au numéro qui s'affiche juste là. Question d'être livré dans les plus brefs délais. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 1. Ciao la famille.